Ma chère Doucea. Mon cher Panthéon. Comment ça va? Ça va, et vous? Bah, ça va très bien, en fait. Non, je suis embêté. Je suis très embêté. On a 21 prisonniers, il n'y en a pas un seul qui se fout sur la gueule. C'est impressionnant, non? Oh, mais ça va pas tarder. Bah, j'espère bien, parce qu'on va en accueillir 7 autres dans ce nouvel épisode de Prison Architecte. Alors, on leur dit à quoi au viewer, on leur dit bonsoir. Eh bien, bonjour à tous, c'est Doucea. C'est Panthéon. Et on se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de Prison Architecte sur PlayStation 4. Et donc, comme on disait, oui, nos prisonniers sont en fait nos abonnés YouTube. Et oui. Ils sont trop gentils. Donc, on va en accueillir 7 de plus en quelques instants. Et en plus, on était obligé au présent épisode, comme vous l'avez vu, de faire déménager des prisonniers dans la plus grande cellule. Parce que oui, ça y est. Amélioré, niveau 9. Voilà. Ouais, la pète. C'est pas possible. Donc, du coup, des cellules avec des douches. Voyez-vous donc. Et les toilettes en plus. Là, on va tout de suite les rejoindre et on dit. Let's go! Go, c'est parti! Voilà. Donc, on a dû construire effectivement des cellules améliorées pour Matthews, pour Blanchard, pour Heinz. Non, mais dis donc. Donc, du coup, on a supprimé ici. Oui. Quelle heure est-il? Minuit 44. Allez, ils arrivent à 8h. On va déjà les sélectionner. On va sélectionner nos prisonniers. Allez, c'est attends, parti. Attends. Est-ce que tu veux pas d'abord leur faire leur cellule? Parce qu'avec le coup d'avant. Où le temps que ça construit, le temps que ça se construise et tout, et bah, ils allaient arriver, on a failli les louper. Non, ils iront en détention. Non, ils iront en détention. On part en détention en cellule d'accueil, pardon. Oui, c'est vrai. Bon. En cellule d'accueil. Ok, bon, bah alors on y va. Ou alors non, on fait pause vite fait, t'as peut-être raison, effectivement. Bah ouais, parce que j'aimerais bien les accueillir directement, les amener directement, allez hop, en cellule. Alors, on a besoin de 3 cellules de luxe. Oh. 3 cellules de luxe, mon dieu, il vous faut de la luxure, mais non, du luxe. Mais je pense qu'ils en veulent aussi de la luxure. Hein. Oui, ils en auront entre eux. Hein. On a assez d'argent, 15 000, combien ça coûte une salle de luxe? 3 300. Ah, belle luxe, j'allais me tromper aussi, c'est du beau luxe, hein. Là, honnêtement. Oh là là. Voilà. Ça passe pas. Non, ça passe pas. Et à qui sera la troisième cellule de luxe? Mince, c'est pas ça, c'est ça. Alors, Gilspi, Bali et Garcia. Donc, ils sont là-haut. Donc, je peux même pas supprimer les cellules-là. Molo veut une cellule de luxe. Molo veut une cellule de luxe. Alors, Molo, tu l'auras. Hein, mais plus tard. Je suis embêté. Pas la mettre en face non plus. Et ben, ce qu'on va faire, est-ce que tu veux pas? Ben, si, on va devoir agrandir la clôture. Ouais. Voilà. Hop. Et voilà. On va prioriser le montage de cette clôture. Oui. Je vais très très vite, pardon. Et on se dépêche pour démolir le mur, hop, de cette clôture-là pour agrandir. Ouh, pas trop. La sensibilité, j'ai oublié de la... Et on va prioriser aussi la destruction. Allez, on accélère le temps parce qu'ils sont partis dodo. On a des jaloux. On a des jaloux? Des jaloux et des jalouses. Pourquoi? Fenchou, je suis une prisonnière exemplaire, je veux une cellule de luxe. Ok. Elle dit ça, Fenchou. Ok. Elle dit qu'elle mérite. Bien. Elle dit qu'elle mérite. On va savoir si elle mérite, Fenchou, qui est... Elle est quand même de niveau 3. Hein. Elle est de niveau 3. Matlove, tu es là. Ça, c'est petit. Voir la cellule. Ah, mais elle fait dodo. M'étonne pas. Bah oui, c'est l'heure du dodo. Love, c'est là. Non, cellule de niveau 1. Non, oh bah ça te convient très bien, apparemment. Tu cries pour un rien. Non, la cellule est de niveau 4 et t'es niveau 1, donc t'as déjà une très bonne cellule. Et il y a Gilles qui est en train de. Dire que s'il a pas de cellule de luxe, il foutra le feu à sa cellule, comme ça il en aura une. Eh ben il peut pas.
Et voilà d'autres cellules de luxe à l'heure. Alors on leur laisse un espace de 2 pour bouger. Ouais. Voilà. On avait dit que 3 de plus. Hein. Oui. Non, c'est bon. Donc du coup, hop, on va devoir détruire. Alors faut qu'on fasse gaffe, on va se dépêcher avant que ça arrive. Le temps pour l'instant. Pardon. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez tuer comme vous voulez. Faut que je regarde qui je dois déplacer. Voilà, qualité de la cellule. Donc, on avait Moulo. Celle-là et celle-là. Donc on va commencer par Garcia. Donc c'est la quatrième, donc, c'est Moulo. Sixième et huitième. Ok. Donc celle-là. Allez, Moulo, tu as déjà en cellule de luxe. Démolition, démolition, hop. Ah mais il fait dodo. C'est pas grave. Il ronfle. Ouais. Je peux pas démolir. Bah il fait dodo. Ah si, là, pardon. Bah on vous réveillera, attendez. Quatrième, sixième et huitième. Voilà. Ah mais en plus on les oblige à se lever. Allez hop. Allez, priorisez-nous tout ça. Je vais engager quelques... On a cette thune, ouais, faire des camps, on les verra plus tard. Voilà. Ça devrait aller plus vite. Ils sont en train de tous se dire là dans les couloirs, dans les trucs, j'entends, on veut tous une cellule de luxe, sinon ils font grève de la faim. Parce qu'ils, de toute façon, ils s'en foutent, ils mangent déjà pas bien. Mais nous, on s'en fout, ils peuvent crever la dalle. Exactement, alors ils peuvent crever la dalle. Alors franchement... Allez dans votre belle cellule de luxe, les amis, oui, parce que c'est nos copains. Alors vous avez un canapé, vous avez un tapis, vous avez une télé, un ordi, vous avez aussi de quoi lire. Donc honnêtement, une radio... à vous plaindre. Honnêtement, ne vous plaignez pas. Ah, s'il vous plaît. Hein. Hop. Voilà, donc. Et en plus, c'est vraiment un grand espace. Donc, normalement. Attention. Ah oui, non, on n'a pas encore choisi. Non. Les prisonniers. Non, on les choisira au prochain jour. Au 16e jour. Donc, normalement. Les autres, si je me trompe pas, sont en cellule 2, voilà. Ils sont en train d'attendre qu'on les ramène à leur nouvelle cellule, pardon. Alors, c'est Tim Lassalle, Moulo et le troisième. Alors, le troisième, Tim Lassalle, Moulo, et je crois que c'est Gilles, si je me trompe pas. Ils sont où? On a Bali. Alors, Bali, c'est Tim Lassalle. On a Garcia qui est Moulo. Et j'aimerais bien trouver le troisième. Ah. Alors. Dog. Oh non, il y a un problème. Mike. Non. Dog, c'est Mike. C'est un nouveau. Non. Pro. Alors, les Vla. Garcia. Gelspé. Ah, c'est ça. C'est ça, c'est Dietras. L'argent commence à manquer, ne vous inquiétez pas. Allez, vite, installez-les. Qu'est-ce qui manque dans cette cellule? Plus rien du tout. Voilà, Gilpi a rejoint sa cellule. Il est même en train de prier. Dietras prie. Bali a sa nouvelle cellule apparemment. Tim Lassalle. Hop, qui est là-haut maintenant. Et le dernier, il manque quoi? Le lit et les toilettes. C'est en construction, on peut pas tout faire. Allez, vite, apportez-leur tout ça. Allez, vite. Allez, vous êtes quand même très ouvriers. Ah ouais, ça se fait. Tout le matériel qu'ils ont. Oh là là là. Voilà, il manque quoi d'autre? Le lit et les toilettes. Allez. Hop. Allez. Le canapé de place, quoi. Allez, non, mais sérieux. Bon, vite, avant que la 20 sur 28. Il nous en manque un. Qui s'est barré?
Oh, va falloir faire l'appel. Attention. Qui s'est barré? Qui s'est barré? Quelqu'un a réussi à s'échapper. On a nos 4 niveau 1, 4 niveau 3, pardon. 2, 4, 5, je crois que c'est là-dedans. Rushton, en niveau 2. Rushton, on a donc Mandarine, c'est bon, il laisse Lilou. Ouais. Petit. Couli qui est toujours là. Matouz. Nico est toujours là. Barsby. DBZ est toujours là. Ok. Sécurité moyenne 5. Alkacem. Rissou. Ok. Donc non, c'est pas le problème, il vient pas de là. Matouz, Alkacem, Koulik, DBZ, non. Les niveaux 3 pour l'instant, on en a 1, 2, 3 et 4. Donc c'est bon, c'est un niveau 1 qui s'est barré. Un gentil se serait barré. Ali. Donc République est toujours là. Ballard. Percé. Percé, oui. Bali. Toujours là. Blanchard. Blanchard, c'est Stan. Et, ok. Garcia. Molo. Gilles Spy. Yetras. Gilles Moore. Où est-ce qu'il est? Worms. Heinz. Sparrow. Kivil, l'un des derniers du présent épisode. Ikejeta, donc Samuel. Mata. Mata, c'est Miss Ekit. Et Smith. Smith. Cédric, Erwan. Qui nous manque-t-il? Qui nous manque-t-il? Est-ce que Mathieu en a vu? Tiens, Sanders. C'est Sanders qui s'est barré. Seb le dingue s'est barré. Ah. Oh. Oh. Oui. Oh, qu'allons-nous faire? Et eh ben on va le noter pour un prisonnier, ouais, qui va être... Je prends note. Par la suite, un condamné à mort car il s'est barré de la prison. Du moins, si vous avez vu le message inscrit sur l'écran, dites-le nous. Parce que, à moins de faire ce petit start-up... Ah non, il a été libéré. Ah, on l'a libéré. Oui, souviens-toi, c'était marqué que il un était prisonnier était... susceptible d'être libéré. D'accord. Que faisons-nous? Donc, il a purgé sa peine. Ouais. Donc il y a une place à prendre. Il y a une place à prendre. Uh-huh. Mais qui? On verra ça au prochain épisode. On verra ça au prochain épisode et on applaudit. Seb le dingue. On applaudit Seb le dingue. Bravo à toi, tu as réussi ton jeu, ton parcours dans notre prison. Mais peut-être seras-tu recruté en tant que condamné à mort. C'est un peu le but de ceux qui se barrent, qu'ils soient libérés légalement ou non. Bref, nous allons tout de suite commander, puisqu'on a toutes nos salles qui sont prêtes, nous allons tout de suite commander nos 7 autres prisonniers. Et voyez, presque tout le monde... Ah ! Il y a des prisonniers qui augmentent de niveau. Oh là là là, ça là. Je t'avais dit, ils veulent tous des cellules améliorées, je l'avais dit, ils ont passé le message et tout, je l'ai entendu, je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai dit dans le dernier épisode, j'avais des mouchards. Ouais. J'ai une balance dans le... Ils veulent des cellules de luxe, effectivement, ils avaient pas tort. Nacho, qu'est-ce que tu fous dans cette cellule? On t'avait mis justement dans une cellule de luxe. Tu as franchement nous poussé à la démolir encore une fois. Ah là 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 là, c'est parti. Allez, on va commander nos autres prisonniers. Allez. Donc comme d'habitude, un de niveau 3. Alors, 2 de niveau 3. 2 de niveau 2 et 4 de niveau 1 qu'on va vous présenter dès qu'ils arrivent, c'est-à-dire demain matin, heure du jeu. Voilà, 8h du matin. Attention. Alors, il te manque quoi? Lit et toilette. Bon, vous les apportez, s'il vous plaît, les ouvriers? Merci. C'est pour que notre cher prisonnier qui s'est rabattu dans une petite cellule. Voilà, c'est fini, on n'en parle plus.
Ah là 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 là, libéré, libéré. Il était libéré, on peut pas le condamner à mort, à moins qu'il ait refait une connerie derrière. Ça. On saura ce qu'on fera de lui au prochain épisode. Bref, tout a l'air d'aller pour le mieux du monde, il n'y a que 3 000 $. Est-ce qu'on peut demander une subvention supplémentaire pour améliorer tout ça? Oh, infrastructure de sécurité avec 20 000 $ d'avance. Augmentez l'effectif de vos forces de sécurité. Déverrouiller gilet tactique dans une mission. Déverrouiller taser. Oh, ça va me faire rire. Wow. Dans une mission. Construire un moniteur de télésurveillance. Ouais, on vous aura à l'œil. Oh. Placer les caméras de télésurveillance dans votre prison. Oh. Allez, on accepte la mission. Alors, il nous faut donc une salle de sécurité. Jean-Bot qui demande une PS4. Bien sûr, Jean-Bot, mais que non. Il est marrant. Ouais. Il est marrant, ce Jean-Bot. C'est pareil, la sécurité. Oh, toujours obligé de tout construire soi-même. Et il faudra faire gaffe parce que pour les tasers, DBZ veut choper le taser pour aller taser Feng Shui. Oh, mais bien sûr. On est pour qui, celui-là? Non mais pour ça, DBZ t'inquiète, on a la chaise électrique. Et ça, on la mettra un jour. Très vite. Très très vite, le plus vite possible. Alors, dans les pièces, sécurité, salle de sécurité, sécurité. Hop. Voilà, normalement, la place est suffisante. Donc, bureau, chaise, classeur. Hop, faut faire gaffe à l'heure parce que les autres vont arriver. Dans pas longtemps, 3 heures. Alors, bureau... chaise, hop, et classeur. Voilà. Et ensuite, moniteur, etc. Donc, il nous faut surveillance, renseignement et taser. Voilà. Et donc, une fois qu'on a acquis tout ça, on va laisser passer l'heure. Vite, les améliorations. Alors, il nous demandait... Oh là, 2 prisonniers sont admissibles à libération. Oh, il y en a encore 2 qui vont nous quitter. Oh. Respecte pas leur droit de confort. Là, là, ah bah oui, mais il gueule. Mais bon... Il demande 10 gardes en plus. S'il savait aussi comment... Voilà, ça se gère une prison. Faut pas non plus... Il réclame. Mais bon... On peut pas tout vous donner, hein. Non. Hop. Il est 8h. Attention, bienvenue les nouveaux. Bienvenue les nouveaux, regardez, ils arrivent. Hop. Hop. Il y a des familles qui viennent. Oui. Voir. 1, 2, 3, 4, 5. 6 et 7. Voilà, ils sont là. Ils sont là, les 7. Et on a Maldonado, niveau 1. Alors, Ticia, Cathy. Qui est représentée par Ticia. Maldonado, tu as 31 ans. Un ex de 31 ans et un fils de 7 ans. La généreuse Maldonado était honnête avant de devenir un criminel. L'opération de surveillance du voisinage l'a finalement trouvé dans son bunker secret. Vêtu de vêtements de travail et brandissant un pistolet à eau, ses collègues de travail sont choqués qu'il soit derrière les barreaux et pensent qu'il sera un danger pour lui-même. Le message de Maldonado à ses animaux de compagnie est « C'est moi l'élu !» Un peu dingue sur les bords. On l'appelle The Pizzal. Et donc, tu as sélectionné, tu me disais... Cathy, alias Ticia. Ticia. Frédéric, ça... Trucmuche. Trucmuche. T'as une petite amie de 21 ans, une maman de 51 ans et le papa du même âge. Tu es tout simplement condamné à 2 ans pour contrefaçon. Tu as 20 ans. On a Mooney, tout dépend. Elko, alias Mathieu. Mathieu, Elko, c'est toi. Tu es condamné à 13 ans pour plusieurs crimes, incluant le vol à l'étalage et le cambriolage. Tu as 32 ans, une femme de 33 ans, une maman de 52 et un papa de 58 ans.
on finit par le dernier prisonnier de niveau 1 qui est Montoya. Qui est Montoya. Montoya. Tueur de zombies chez les abonnés YouTube. Et donc, Montoya, t'es condamné à 8 ans pour plusieurs crimes incluant fraude et parjure. Tu as 22 ans, ton ex-femme a 22 ans aussi, tu as un papa de 55 ans, une fille de 4 ans et deux fils de 3 ans, des jumeaux probablement. Mm-hmm. Nous avons maintenant deux prisonniers de niveau 2, dont Ambley. Personne qui est à nos côtés, qui est silencieuse mais n'en est pas moins pensive. Et personne, hop, qui a matraqué son employeur à mort pour avoir été continuellement appelé pagaille. Et maman de 56 ans et papa de 62 ans, et dans le jeu tu as 30 ans. On passe à Max de nom de famille Gall. Ok, bah Dewey. Ah, le couple personne et Dewey. Condamné à 24 ans. 24 ans. Dewey va rester pratiquement 3 fois plus de temps que personne, car il a fait un vol à main armée. Une ex-femme de 40 ans, un fils de 5 ans, une fille de 16 ans, une fille de 21 ans, une maman de 64 ans, un papa de 72 ans, et tu as 40 ans dans le jeu. Mm-hmm. Attendez, non, on s'est trompé. Ah. Rectification. Le deuxième de niveau 2, on s'est trompé, la souris est allée trop vite. Dewey, en fait, est Rivera. Rivera, désolé. Et Dewey, en fait, est condamné à 12 ans pour trafic. Il a 46 ans dans le jeu, une ex-femme de 42 ans, un fils de 26 ans, un fils de 25 ans, une maman de 64 ans, un papa de 75 ans. Et donc, ce fameux Gall, qui n'est pas un niveau 2, mais un niveau 3, qui est, d'où c'est à ce niveau 3 ? Sarah P ! Ouais ! Et donc, on le rappelle, excuse-moi, Sarah P, donc 40 ans dans le jeu, un ex de 40 ans, un fils de 5 ans, une fille de 16 ans, une fille de 21 ans, une maman de 64 ans, un papa de 72 ans, qui est donc cette personne qui est condamnée à 24 ans pour vol à main armée. Vous, voilà les nouveaux prisonniers. Alors, rappelle-moi les noms vite fait. Alors, hop, nous avons Maldonado. Oui. Maldonado, qui est Ticia. Oui. Nous avons Fredrix. Qui est Trucmuche. Mm-hmm. Nous avons Mooney. C'est ça. Qui est tueur. C'est ça qui me manquait. Mooney. Non, t'es sur Montaya là. Hop. M2ONEY. Ah, voilà, c'est ça. Ok. As-tu tout le monde ? Oui. Eh ben c'est parfait. Allez, on y va. Allez dans votre prison. Hop, c'est parti, les policiers vous escortent et en plus la recherche du taser est terminée. Alors, est-ce qu'on a cette place ? En vérité, non. C'est pas grave. En vérité, ils vont tous aller en cellule de détention. Voilà. Provisoire. Allez, on va quand même leur mettre des cellules améliorées. Oui, dis donc, t'es gentil. Hein. Ah ouais, pas trop le choix. Malheureusement, on est obligé de les accueillir quelque part. Oui, mais bon, cellules améliorées, moi j'aurais été plus méchant. Je sais bien. Je connais votre tempérament. Normalement, c'est bon. Donc pour l'instant, vous êtes en provisoire. Hop, le temps qu'on s'occupe de tout. Donc là, normalement, vous avez dû être 28 au départ. Mais vu qu'il y a une liberté. Votre productivité est installée, j'ai pas fait attention. Alors oui, il manque des choses en sécurité, il manque d'électricité. Ah bah oui, forcément. Ça clignote. Hop, on va rejoindre. Hop, et voilà, on n'en parle plus. D'ailleurs, on avait débloqué donc les gardes. Il nous en fallait 20 au total. Ouais. On a 10. On commence à faire beaucoup, mais tant pis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Parfait.
et il voulait. Pour l'instant, rien de plus que ça. Attention, les gens, vous avez 10 gardes de plus à vos trousses. J'ai les tactiques d'administration. Ah, on l'a pas ? Non. Ah, la highway bureaucratie, j'ai tactique. 1 000 $. Bon, on les a. Donc ça c'est bon. Construire un moniteur télésurveillance, on va le faire. Et 6 caméras de surveillance. On va faire gaffe à Rivera, alias Dewey, et Basby, parce que ils ont comploté, parce que pour l'instant ils disent qu'on n'a pas fait de fouille. Eh ben justement, on va s'en occuper dans quelques instants. J'installe juste les caméras. Hop, même devant les cellules de luxe, ça ne mange pas de pain. Alors, on va mettre tout de suite le courant en caméra avant que le jeu le demande. Voilà. Et après, il va falloir les câbler, mais installer le système de vidéosurveillance. Hop. Voilà. Le courant va arriver pour vous. Surveillance, moniteur, voilà, pour... Vite, parce que là, il y a des BZ et... On n'a pas assez de sous. Ah ! On va se faire avoir par eux. Non, non pas. Subvention. Non. J'ai tactique, ça c'est bon. Capacité de production carcérale, non. Ah, là. L'éducation, il nous faut des salles de classe. Et les prisonniers sont déjà là. Capacité de production, mais il va falloir beaucoup de choses. Ah, vous nous bloquez, les gens. Vous nous bloquez. Ah. Ils sont tous à table. Ils sont tous partis vous bouffer. Et après, ils disent, ouais, c'est pas bon, monsieur Nina, mais ils vont quand même manger. Ah, ils vont quand même manger, hein. Ça se plaint de la bouffe, mais... Attendez, certaines cellules sont pas terminées. Ah ! Sauf qu'il n'y a plus de sous, on est en déficit. Bon, tant pis, subvention. On va devoir au bout d'un moment le faire. Capacité de production, ils vont vouloir quoi ? Produire des plaques d'immatriculation. Ah, on va pas pouvoir utiliser les sous pour ça. Éducation, salle de classe, des pupitres, 10 prisonniers ayant réussi. On éducation. Va faire la rééducation. Allez ! Ouais. Il va nous falloir tout ça de toute façon. Vous nous corsez la tâche, hein. Sans vous le dire tout de suite. Ils sont pas faciles, hein. Non. Alors, hop. Ah, sauf que l'eau commence. Hop, on va faire ça comme ça. Ah là, vous nous facilitez pas la tâche. Hop. On va quand même respecter les termes des contrats si on veut pas se faire watcha. Ok, pour l'instant personne s'est barré. 27. Non. 7, 14, ah 21, 28. Non, c'est bon. Non, mais n'oublie pas. Oh, tous dans la cour là. Ça va. Ouais. De quoi ils se plaignent un peu? Va voir un peu de quoi ils se plaignent. Liberté, ils veulent de famille, la famille, alcool, liberté. Spiritualité. Bon, ils se plaignent de pas grand chose. Hein, non, ça va. Ok. Ils ont l'air à peu près tous s'accorder, ils se foutent pas sur la gueule. Bah ouais, pour l'instant ça va. Mais bon, c'est pas ce que ça va donner par la suite. On va pouvoir installer les moniteurs. Voilà. Ah, ils se plaignent de la boue, j'aime pas les petits pois, j'aime pas les légumes. Et les coups de téléphonique. Bon, comment se fait-il que l'électricité n'arrive pas encore? D'accord, pourtant il y a un câblage ici. Voilà, priorisez-nous le câble ici, s'il vous plaît. Nico qui tente de vouloir assommer les gardes, mais il a oublié qu'il y en avait quand même 20. Hein. Là, il y en a 20, honnêtement. Je lui souhaite bon courage. D'ailleurs, en parlant de gardes, on va en déployer dans certains secteurs. Par exemple, dans ce long couloir-là. Ouais. 2, 3, 4, 5, 6. Allez. Ici, au cas où. Dans la cuisine, on va mettre toujours un constant. Dans la salle commune aussi. Dans les douches. Et... Un garde dans les douches. Dans le parloir. Ouais.
Hop. Ça, la buanderie. Et on va dire que pour l'instant, c'est bon. Ah oui, c'est vrai. Le standard des écoutes. Le standard, pardon, des caméras doit être alimenté. Et pour finir. Tu as mis un garde dans la banquisserie ? Oui. Ouais, bah, le plan de DBZ aura échoué alors. Non ! Et on va connecter ces caméras au moniteur de surveillance. 2, et normalement en total il y en a 6, donc 3. Voilà. 4. Ah, en aurais-je oublié. 4, en aurais-je oublié. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4. C'était que 4 caméras ou j'en aurais oublié. Ah non, nulle là. Annulé, mais non, ça c'est bon. Allez, pas installé, d'accord. Ah, là-bas aussi. Hop, prioriser nous ça. Bon. T'as pas mis de douche dans les caméras. T'as pas mis caméra, pardon, dans les douches. Ah, pas bête. Pas bête, ma chère de CA. Ah, je suis une vicieuse. Ah, ouais. Sécurité. Il y a bien un garde de toute façon. Ouais, mais. On a jamais assez d'équipement. Non, mais qui se plaignent pas, il y a déjà un garde dans une caméra. Oh. Au point où ils en sont. Hop, et voilà. On a priorisé. Hop. Ah, toi, qu'est-ce qui te manque ? Connecté. Bah, ok, hop. Oh, on a reçu le pognon, c'est bon. 50 000 dollars. Aïe! Ouais. Normalement, tout est relié. Non, sauf celui de la douche, mais elle n'est pas encore construite. Mais normalement, l'objectif est terminé. Alors, on a déverrouillé de construire une salle de classe avec 20 pupilles, donc on va en construire 2. Ok. Alors, les salles de classe. Ah! Les salles de classe. On va vous les mettre sur le côté, tiens. Pourquoi nous avons 0 garde sur 20 ? Parce que tous sont occupés. Ah, ok. Et 20 sont occupés. Alors. Salle de classe. On va en mettre 2 l'une à côté de l'autre. On va les éduquer un peu. Oui, on va leur faire faire quand même des stages. Voilà. Tac. Une ouverture sur. Là, ouais. Une autre là. Et une troisième salle de classe. Ici. Voilà, priorisez-nous tout ça. On va quand même clôturer ce petit bout là. Mmh. Hop. En bas, non, il n'y a plus rien à clôturer. Parfait. Et vu qu'on est gentil, bah, faut bien que vous ayez accès à votre salle de classe. Oui, je veux refaire leur éducation. Ah, on va vous mettre une porte. Il y a certains mal polis. Voilà. Donc tout le monde est là, tout le monde a sa cellule. Faisons un point sur le confort de la cellule en fonction de la qualité des prisonniers. Ouh là 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 là. Ah, m'attendais à pire. On a déjà une cellule de luxe et elle est en rouge. Alors non, c'est que le prisonnier est trop haut placé. Ah non, oui, effectivement. Attends. Vous aviez raison. Oui. La cellule niveau 9. De Tim Lassalle. Bien bali, c'est ça. Hein. Ah oui, oui, est-ce qu'on peut te rajouter un objet pour que ça soit un peu plus classe? Ouais. Pff. Il faut une fenêtre, non. Oh là 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 là. Bureau, ton adjoint. Un... Télévision. Allez, à la rigueur. Bon, allez, augmente top télé. C'est bon. Ah oh là là là, je vous jure. Tout ça pour le confort. Bon, bah c'est bon, l'électricité est déjà placée au bon endroit, c'est bon. Les salles de classe, qu'est-ce qui vous manque? Bah tout. Donc vite. Vous entendez les Z dire qu'il veut un crachoir. Il a qu'à aller cracher dans sa douche. Exactement, non mais oh. Crache dessus maintenant. T'as pas ça. Non mais oh. Bon, bah vous êtes tous là, 27h34, c'est bon, on a notre libéré. Mm-hmm.
C'était qui? C'était Seb le Dingue. Seb le Dingue a été libéré, il a purgé sa peine, effectivement. Oh, il va manquer de l'électricité dans la salle de classe. Pour l'instant, le disjoncteur n'a pas encore sauté. Non. Voilà. Oh, qu'est-ce qui se passe à la caméra là-haut? Ah oui, elle est pas câblée. Hop, on va connecter ça. Touk. Voilà. Voilà, tout est surveillé. Sauf qu'on va recruter deux petits gardes quand même parce qu'il n'y a pas assez d'employés dans la salle de sécurité. Ouais, parce qu'ils ont entendu avec le disjoncteur, du coup, ils veulent que le disjoncteur pète pour s'évader. Mais oui. Il n'y a pour l'instant aucune porte automatique qui est activée. Il va falloir surveiller ce disjoncteur. On va le surveiller pour l'instant. Il est où? On l'avait placé où? Là-haut, je crois. Ça va très vite. Il est là pour l'instant. Non, il reste encore un peu de marge pour l'installation. On a assez de condensateurs au cas où on a besoin. On va virer quelques ouvriers. Pour l'instant, ça ne sert pas. Oula, 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 oula. Oh, qu'est-ce qui se passe? Une fouille, une fouille. Une fouille? Une fouille. Allez, une fouille. Une fouille, une fouille, une fouille générale. Dossier à le bouton croix. Yes! Voilà! 257 cachettes. Attention à vous, les prisonniers. Allez, ça commence. Trombone. Alors, est-ce que nous avons le droit, justement, à la contrebande? Oui. Alors, les dangers. Clé de prison, matraque, cigarette, briquet dans la salle de sécurité. Forcément, couteau, fourchette, cuillère dans la cuisine. Drogue. Ah, dans le parloir, ça peut tout se passer, hein, c'est ça le problème. Ouais, hein, c'est impressionnant. Ah, ils sont tous en train de baliser pour la fouille. Regardez. Ah, là, 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 Rushton. Ouais, j'ai quelque chose sur moi. Ouais, mandarine, hein. Oh. Il y a Cathy qui dit merde, j'ai un portable sur moi. Bah voilà. Ah. 257 cachets. Qu'est-ce qui nous reste dans l'objectif? On sent un système de contrôle des portes. On verra ça plus tard. Ah oui, c'est vrai. Il faut maintenant des programmes de réhabilitation qui sont programmes de formation scolaire débutant. Allez, et général. L'alcool a été trouvé. Cathy, tu vois ton téléphone portable? Dans le nez. Il a été trouvé. Alors, pour les programmes scolaires, c'est simple. Programme. Voilà. Je vais ralentir le temps pour quelqu'un qui se sauve. Donc, scolaire pour débutants et scolaire général. Plus de temps de travail nécessaire. Ah, les gens! Voici votre régime. Du temps libre, de la cour, de la cellule. Oh là 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 là. Il va falloir changer tout ça. Bon, entre 11h, entre 10h et... Non, entre 11h et 13h. 2h de travail. Allez hop. Ah, mince. Travail. En rouge, voilà. Voilà. Et pareil, entre 15 et 17. Travail. Allez hop. On enlève leur temps libre ici et on va leur mettre 4 heures de travail le matin. Allez, vous allez nous apprendre tout ça avec bonne manière. Et on va mettre une heure, ouais, on va mettre 2 heures de temps libre d'affilée parce que. Oui, bon. Pas de plainte. Bon, la fouille est en cours. Je suis étonné. Sur 120. Oh là, oula! Il y a de l'évasion. Vous me faites peur, de CA. Non, c'est bon. J'ai eu peur. Alors, c'est quoi qui a été trouvé? Ciseaux. Oh là là là, cuillère. Oh là là. Man 7, c'est bon, tout le monde est là. Bon, ça patrouille, hein. Oh, dog. Dog, à mon avis, il a quelque chose à se reprocher. Mmh,
temps d'améliorer votre installation, un système de contrôle des portes. Plus tard, cher maître prison. Oh là 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 là, les cigarettes, allez, la contrebande, ça y va. On a de l'argent à foison, hein. On peut vous fouetter les gens. Hein. On peut vous fouetter. La ration, système de contrôle. Bon, les plaques d'immatriculation, il va falloir qu'on s'en occupe. On va leur construire un atelier. Mais où ? L'atelier, je crois qu'on l'a ça dans les salles rapides. Si je ne me trompe pas, sauf que c'est super grand. Ah oui. C'est super grand, moi je serais bien tenté. Ouais, bah écoute, on va le mettre. Là. On va le tourner. Non, comme ça, exactement par la petite porte, puis ils feront flûte. Ah, tu veux les faire marcher ? Ouais. On leur met un petit passage où on leur met une porte, voilà. Et on n'est pas fou. On est loin d'être fou. Vous pensez peut-être vous évader. Eh ben non, on va reclôturer. Oh là là en là bas. Là. Qu'est-ce qu'il y a comme objet ? Hop, je mets une double clôture. Hop, et hop. Et on va prioriser. Ah, trop tard. Est-ce qu'on peut avoir le détail, à ton avis, de... Parce que je me doute bien d'un paquet de cigarettes, d'un trombone, d'un téléphone, de l'alcool. Tout à fait. On voit ça après la fouille générale qui devrait se terminer bientôt. Oula, oula, ça douche et ça inonde. Allez. Bon, on va pas se plaindre. Ils sont propres. Oui, oui, oui. Bon. Allez, ça commence à fouiller là, ici, vous voyez là, ici en face. Oh, c'est il y a encore un autre téléphone. Ah, ça fouille. Allez-y, venez ici. Allez, plus que 16 cachettes. Oh là là, ça gueule en plus. Ok, plus que 7 cachettes. On oublie la petite porte ici. Non, bon, jamais aller à l'école. Non, jamais aller à l'atelier, pardon. Et ici... faut qu'on supprime... ces deux petits murs qu'il y a là. Voilà. Allez. Les cachettes. Où sont les 6 autres ? 5 autres. Ah, 5. 3, 2, 1. Et top. Alors, qu'avons-nous ? Contrebande depuis 24 heures. Ah bah tous ceux dans les cellules, oh forcément. Oh là là là. Alors, ciseaux. Échanger, cacher, trouver. Oh là là. Oh là là. C'est quoi ce petit truc là? Trouver de la contrebande. Poison. Oh. Ça appartenait à Stone Ali. À Ali. Introduit dans le détenu il y a 92 heures. Ah, République. Ali avait aussi des cisailles. Sandy avait des portables de partout. Gilles. Alcacem avait des ciseaux. Rissou. Et tournevis en plus. Chez Gilmour, tournevis, une barre, une cuillère, oh là 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 là. Des portables chez Dog, enfin un portable chez Dog, un autre chez Ruston, chez Mike, chez Mandarine. Oh là là, il y avait un objet qui avait été lancé de la clôture et qui a atterri, boum, bah justement, chez Ruston. Voilà, donc Mandarine. Ah, il lance même les objets. Quoi. Ah oui, ça peut être lancé à travers la clôture. Hein. Bon, en gros, c'est ce que nous avons au plus gros. Ouais. Moi, au plus gros, c'est ça. Il n'y a pas grand chose. Mais ça s'empire. Ça s'empire.
Nous terminons cet épisode avec 3169 argent dans la banque et un tout petit peu de budget de $43 par jour, effectivement, pour la suite des événements. Ouais. 16h15. 16. 16h16. Voilà. On fait pause sur cet épisode. Donc voilà la prison. Ben, elle commence à bien fleurir, la salle de classe. Vous aurez bientôt un atelier pour construire des lits, des plaques d'immatriculation pour nous faire gagner du pognon. Enfin. Oui, directeur. Ils ne se foutent pas encore sur la gueule. Mais non. On sent que les prochaines fois, là, on va en accueillir 7 de plus. Ça va être, ils vont être 34 quand même. On a en plus la place pour les accueillir déjà. Oui. Même oui. Si 8 places sont dans la cellule de détention provisoire. Oh, bah écoute, ils se tiendront chaud. Ouais. On vous allumera pas le chauffage pour le prochain épisode. Ma chère directrice, comment trouvez-vous ce. Ça me fait rire. Cette petite prison story avec nos abonnés qui étaient... Ça me fait rire, j'aime les mater. Oh, ils sont pas tout fiers, hein. Faites-vous tout petit, les gens. Non, parce qu'avec tout ce qu'on vient de trouver en cachette, là, honnêtement, vous allez prendre cher par la suite. Par la suite, au prochain épisode et les prochains, vous allez prendre cher. Enfin bref, c'était le 5e épisode de Prison Architecte sur PlayStation 4, édition spéciale avec nos abonnés qui sont nos... prisonniers. Rendez-vous au 6e... avec Doucéa et Panthéma. Surtout n'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube Doucéa et Panthéma Gaming. Ouais. Et sur ce, on vous dit bonjour. Bonjour.